Salut tout le monde, c'est ML2G et bienvenue dans l'épisode 19 de Minecraft. Comme vous avez pu le voir avant le générique, les zombies sont venus embêter un petit peu mes PNJ. Et bien aujourd'hui nous allons résoudre ce problème. Mais tout d'abord, regardons ce que j'ai fait là-dedans. Un joli mur avec des escaliers. Oh, mais là-haut c'est quoi? C'est bleu. Poum! Eh oui, les nouveaux blocs de la snapshot. Donc ce seront des nouveaux blocs qui seront présents dans la 1.7. Et ça fait vraiment plaisir. Parce que cette 1.7 va être riche en nouveautés. Mais alors pire que riche quoi. Je crois que c'est la plus grosse mise à jour que j'ai pu voir sur Minecraft depuis que j'y joue. Et puis du coup j'ai modifié tous les blocs de verre pour faire un arc-en-ciel. Si c'est pas Thibaut ça. Enfin voilà. Aujourd'hui donc je disais qu'on va se débarrasser du problème PNJ. Zombie pardon. Du problème de zombie. Nous allons faire des tours avec des PNJ qui nous sont inutiles. J'explique, des PNJ qui proposent des échanges inutiles. On va tout simplement s'en servir pour les mettre dans des tours. Et je vais me refaire une pelle d'ailleurs, parce que ça va me servir. Et qu'est-ce que je disais? Oui, on va mettre des PNJ pour mettre dans des tours. Comme ça, les zombies vont se diriger vers ces tours-là. Et juste en dessous de la tour, eh ben, on mettra des pièges. Enfin, on mettra un piège. Je pense qu'au niveau des panneaux, ça devrait suffire. Je vous explique après hein, exactement qu'est-ce que je vais faire. Et de toute façon, on va en faire deux aujourd'hui. Je ferai le reste plus tard. Parce que j'en ferai plusieurs. Hein. Mais pour le moment, bloc de terre, de toute façon, je vais le recueillir. Et aussi au niveau de la machine à... j'ai oublié le nom. Oh là là, ça va pas. Je vais y arriver. À enchantement, j'ai fait une petite pièce. J'ai fait une. Pas enchantement. Bon, je vais vous montrer parce que j'ai pas le mot. Voilà, alchimie. Putain, il faut que je voie la machine pour que je dise alchimie quoi. Bon, j'ai fait une petite pièce ici où j'ai mis les noms des potions. Voilà, régénération, c'est ça. Respiration aquatique, voilà. Bref. Je vais vous montrer aussi le troc que j'ai pu faire avec les PNJ. Déjà, ils sont tous au complet, alors que j'en avais viré pas mal. Celui-ci me propose 9 émeraudes contre une hache en diamant. Très intéressant, je l'ai gardé. Et attention, j'ai fait l'échange une fois avec lui. Et vous voyez ce qu'il me propose après. Clac. 10 émeraudes contre une pioche en diamant. Ce PNJ-là... C'est un PNJ du bonheur. Celui-là, bon, lui, on va s'en débarrasser aujourd'hui. Lui, on va le garder. Lui, bon, on va pouvoir s'en débarrasser aussi, puisque l'autre me propose 10 émeraudes contre une pioche en diamant. Lui, c'est 11. On va s'en débarrasser de lui. Lui, on va le garder. Lui, on va le garder. Lui, on le garde. Lui, on va le garder. Lui, on le garde. Lui, on va s'en débarrasser. Lui, on va le garder. Lui, on va s'en débarrasser parce que c'est le même que l'autre, apparemment. Bon, lui, on l'avait déjà vu. Oh, 9 LED. Sympa. Ah oui, et puis lui, intéressant aussi. Épée en diamant. Donc, du coup, je peux me faire un plastron, des jambières, une épée, une pioche et une hache en diamant. Rien qu'avec les PNJ. Et ça, c'est cool. Et par contre, évidemment, il me faut des émeraudes. Mais vu que je suis resté un long moment avec les PNJ, et avec cette machine là-bas, et avec mon piège à squelette qui est au fond, il va falloir que je le design un petit peu parce que c'est un peu moche là-bas. Bien, je suis resté longtemps pour récupérer de la poudre d'os, pour récupérer beaucoup de blé, pour pouvoir échanger avec les PNJ. Et boum, voilà tout ce que j'ai pu récupérer. Bon, certains objets que j'ai récupérés plusieurs fois pour voir qu'est-ce que les PNJ me proposaient derrière.
Des fois je me faisais arnaquer, des fois pas. Mais quoi qu'il en soit, j'ai fait très attention cette fois-ci et j'ai récupéré tout ça comme émeraude. Donc pour en avoir récupéré autant, c'est simple. Je prenais un PNJ qui m'échangeait du blé. Je lui donnais la masse de blé. Oh, il y a un PNJ là. Attendez, on va... lui, je crois que lui, on n'en veut pas, lui. Ouais, lui, on n'en veut pas. Hop, dégage. Toi, non. Voilà. Alors, j'explique encore une fois, avant d'être interrompu. Je prenais un PNJ, par exemple, celui-là. Voilà, imaginons que... bon, même avec le charbon, ça marche. Je vais échanger un max avec lui, le charbon, contre des émeraudes. Au bout d'un moment, il voudra plus m'échanger ça. Il va me proposer un autre échange. Je vais accepter cet autre échange une seule fois. Et il va redébloquer cet échange-là avec le charbon. Ce qui fait que je continue. Et ensuite, eh bien, je rééchange l'autre derrière quand celui-là est bloqué. Pour repouvoir rééchanger le charbon contre les émeraudes. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Mais quoi qu'il en soit, je suis resté bien longtemps avec les PNJ pour récupérer la masse d'émeraudes. Pour pouvoir faire des échanges. Et lui, eh ben, tiens, voilà, le blé. L'exemple parfait. On pourra le faire, ça. Enfin, je le ferai. Parce qu'en vidéo, c'est pas intéressant. C'est assez long et chiant. Nous, on va faire passer la nuit. Pour travailler de jour. Ok. Et j'ai pas récupéré tout ce qu'il fallait récupérer. Il faut récupérer évidemment des rails. Et bah oui, sans les rails, on va pas aller bien loin. Il faut que je remplisse mes seaux d'eau. Voilà. Oh, j'entends des zombies là-bas. Et vous allez voir, j'ai testé ces pièges, hein, parce que je fais pas ces pièges juste pour le plaisir, juste pour faire beau. J'ai testé ces pièges et ils fonctionnent super bien. Et les zombies, ils ne viennent plus m'embêter. Et ça, c'est super. Mais en tout cas, je le vois là-bas. Je le vois. Il va pas rester longtemps, lui. Ah, t'es intéressé, hein. Bam, dans la tête. Bam. K.O. Allez. La première tour. Déjà, on va faire le petit passage ici. La première tour, on va la faire là-bas. Ici. Pourquoi je la fais là? C'est tout simplement parce que les zombies arrivent d'en haut. Et j'avais fait une tour en mode créatif, parce que j'avais copié mon monde, hein, pour pouvoir tester ça. J'avais construit une tour en haut, parce que les zombies arrivent parfois d'en haut. Et ils se dirigeaient pas vers le piège, mais ils se dirigeaient vers la grande salle. Donc du coup, je vais faire le piège ici. J'ai pas testé si ça marche ici, mais bon, à mon avis, ça devrait marcher. Avant de faire le trou, mon petit pote... construire la tour, non? Ok, hop. Puf. Je suis en train de réfléchir, mais c'est dur de réfléchir. Qu'est-ce que je veux faire? Ah oui, ça y est, ça me revient. Ok. Alors, dalle. Bah non, j'étais très bien là. Oh là, qu'est-ce que je fais? Voilà. Good. Ça, ça dégage. Quoique, non, c'était bien. C'est grave. Là, je suis un petit peu perdu, excusez-moi. J'étais dans mes pensées. J'étais en train de réfléchir à comment j'allais faire ma tour. Voilà. La terre, au fur et à mesure, elle va s'enlever. C'est juste pour pouvoir poser les blocs. Paf et paf, voilà. Eh bah, tout ça pour ça. C'est n'importe quoi. Allez, on va faire le chemin maintenant et on va aller chercher un PNJ qui ne sert à rien pour le mettre dans cette tour. Et on aura le temps de voir comment ça fonctionne pendant la nuit parce que je vais sûrement en récupérer plusieurs. Alors lui je le gardais, lui j'en voulais pas. Donc lui, on enlève le bouton, on enlève ça. Il veut se barrer, je le vois, il veut se barrer. Mais il peut pas se barrer. Tout simplement parce que il est sur un bloc de Soul Sand. Donc il ne peut pas se barrer. Allez. Super. Dégage. Nickel. Et donc moi je peux plus sortir maintenant. Donc je suis obligé de faire, hop, d'enlever ça. Ça va retirer, voilà, ceci, mais c'est pas grave. On le remet. Maintenant qu'on est dehors, on reprend ça. Ok. Et on va remettre ceci. Et ensuite, on va réinitialiser la bête pour que les PNJ puissent revenir. Voilà. On va laisser les rails là pour aller chercher un autre PNJ après.
Et toi, tu retournes là-bas, Coco. Oh, super! Super! Clac, clac, boum, boum. Oh, c'était peut-être pas une bonne idée de mettre celui-là là. Quoique. Yeah! Super! Ok, voilà. Bah, la tour est finie. La tour, elle se présente comme ça. Tout simplement. Le PNJ est à l'intérieur. Tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de faire le trou en dessous. Ce qui fait que les zombies vont être attirés par le PNJ qu'il y a ici. Et ils vont tomber dans le trou que je vais faire en dessous. Et le trou, je vais le faire avec de l'eau, bien évidemment. Mais avant ça, je vais balancer les rails vers là-bas. Parce que je vais faire une autre tour là-bas aussi. Vers le piège à disque. Que je me sers plus d'ailleurs. Il serait temps que je me resserve un petit peu. Ok, donc il faut que ça soit pof là. Et là, j'y arrive un petit peu mieux que la première fois. Good. Good. En soi, le piège que je viens de faire fonctionne, hein. C'est juste que les zombies resteront sur place. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils tombent dans un trou. Ils tombent tous dans un trou. Et si j'en ai envie, plus tard, je le ferai pas en vidéo. Ou du moins, je ne pense pas. Et je le ferai pas tout de suite. C'est faire un système, c'est-à-dire que quand les zombies vont tomber dans le trou, je mettrai peut-être un grinder pour les faire suffoquer et les tuer. Mais après, est-ce que c'est une bonne idée? Parce qu'il peut y avoir autre chose que des zombies qui tombent dans le trou, hein. Il peut y avoir des creepers, il peut y avoir des squelettes. Pas des araignées, mais il peut y avoir ce genre de bestioles. Donc je sais pas encore, j'y réfléchis. Mais en tout cas, je peux me faire une petite salle pour pouvoir les attaquer d'en bas, hein. Comme un piège à zombies, quoi, tout simplement. Allez. Ok, hop, on va faire une large case. Voilà, on va enlever ça aussi, ce serait bien. Oh, ça devrait aller. Il y a un bloc qui est resté là-haut, hein. Ensuite, on reste au centre. Le centre, il est là. Hop. J'ai cru entendre un zombie, c'est peut-être moi qui rêve. Oh, ça devrait aller là. On va prendre nos panneaux. Pour éviter que l'eau tombe au fond. Bah oui, parce que ce serait bien que les zombies tombent au fond. Et ne remontent pas en surface. Voilà, très bien. On va mettre la flotte. 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 Hop, hop. La flotte. Voilà, ce qui fait que le piège il est bon. S'il y a un zombie qui arrive, oh, je vais être attiré vers le trou. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Tout bêtement. Donc bah, je vais chercher un autre PNJ justement pour le mettre là-bas maintenant. Et avec le temps qui va nous rester. Oh bah tiens. Oh. Oh oh oh. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un problème. Il y a un problème. C'est peut-être quand j'ai. Ah oui. On entend le bruit. Ouais, ça doit être quand j'ai dû casser ça. En fin de compte, fallait pas que je le casse. Parce que quand je regarde là-haut, les pistons sont étendus. Et là, ils sont pas étendus parce que apparemment le fil est déconnecté. Bon, bah, du coup, il y a quoi ici? Il y en a que deux. Bon, oh, ils servent à rien de toute façon. Allez, hop, ça dégage. Alors, le souci vient d'où? Ah, c'était ça le souci. D'accord. Donne-moi le fil. Voilà. On va remettre ça ici. Et du coup, le fil, on va le remettre tout de suite. Ah, pourquoi il s'est pas... Je comprends pas. Je comprends pas. Si je fais ça. Il y a un petit bug dans le système apparemment. Bon, je verrai ça plus tard. Je comprends pas parce que normalement... Attendez, je vais tester.
Ah zut. Ouais, ça fait rien. Je comprends pas pourquoi d'ailleurs. Alors que le fil il est bien là. Hein. Le fil il tape là. Ouais. Étrange, étrange. Ah bah oui. Non, bah c'est moi. C'est moi qui fais n'importe quoi. Bon, ça va, j'ai trouvé où était le problème. Ah, je vous jure des fois. Hein. En fin de compte, l'escalier, faut pas le mettre comme ça, faut le mettre comme ça. Et là, ça marchera mieux. Ah bah oui, tout de suite, ça va mieux. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, faut se dépêcher d'en prendre un autre, là. Toi, je te garde. Toi, je t'en veux pas. Tu vas venir avec moi. Hop, désolé pour ce petit contretemps, hein, mais ça arrive de faire des bêtises. Le principal, c'est de trouver l'erreur. Allez, hop, je te prends avec moi et tu pars là-bas. Voilà, je comprends mieux maintenant d'où est-ce qu'il venait ce petit son là, ce petit bruit. Hop, on remet ça là. Ah, bah non, c'est pas bien là. Là, c'est pas bien du tout. Là. Ah, mais en plus, il revient le PNJ. Ah, t'as pas envie d'y aller, hein. Mais si, tu vas y aller. Mais si, tu vas y aller. Et si, mon pote. Allez. Oh, je l'ai balancé loin. Joli, joli. Allez, avant que la nuit tombe. Clac. Je vais d'abord t'enlever ça. Ce sera peut-être mieux. Voilà. Donne-moi ça. Clac. Voilà. Pouf. Oh, et je tape le bloc de terre. N'importe quoi. Bon. Voilà, cette pelle-là, elle va claquer. Ça y est, la nuit tombe. Là, ça va être méga dangereux parce que à côté, c'est l'invasion de creepers et de squelettes. Donc, on va essayer de se dépêcher de faire le trou. Comme ça, on voit si la machine fonctionne. Ok, tac, 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 tac. Tac. Vite. Hop, 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 hop. Pouf, pouf. Ok, alors. Ça. Ça, et j'ai pas repris de flotte avec moi. Mince. Je vais chercher de la flotte. Bah, tiens, il y a de l'eau là. Ok, hop. Super. Hop. Hop, et hop. Voilà. Le piège est good. Oh, il y a déjà des squelettes là-bas. Manger un bout, ce serait bien qu'il y ait des zombies qui spawnent, comme ça on voit si ça fonctionne bien. Mais normalement, il n'y a pas de souci, ça fonctionne au poil. Bon, j'enlève tout ça, mais de toute façon, je le remettrai un petit peu en off. Hein. C'est pas off que je le remettrai, mais je m'en occuperai plus tard. Voilà. Bon, et puis, vu qu'aujourd'hui, bah, j'ai prévu que ça et que bah, c'est déjà terminé. On va pas terminer cet épisode là-dessus, hein. On va faire autre chose, évidemment. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien... Oh! Ah, vous avez entendu, il y a un zombie qui est tombé dans mon piège. Hé hé! Ça veut dire qu'il fonctionne. On va aller le voir, le petit zombie. On réinitialise la machine. Voilà, très bien. Faut que je remette ça aussi. Hop. Voilà, alors on regarde si c'est bien le zombie qu'on parle. Oh, mais oui. On voit pas grand chose. Ouais, ouais, on les voit quand même. Ils sont là, les zombies. Et le piège fonctionne, c'est nickel. Ce qui fait que normalement, les zombies ne devraient plus venir m'embêter là-bas. Tout du moins, ceux qui viennent par là. Ceux qui viennent de l'autre côté, ils pourront toujours rentrer. Mais je mettrai d'autres PNJ qui ne servent à rien quelque part. Hein. C'est vrai que moi je vis dans une époque assez esclavagiste. Hein. Les PNJ qui m'intéressent pas, hop, aux oubliettes. Oh, puis ici aussi ça marche bien. Et ben voilà, nickel. Si vous voulez faire un petit piège à zombies sans avoir de spawner à zombies, et ben voilà, vous vous mettez dans un endroit sombre, vous posez un PNJ là-dedans et puis c'est bon. Bon, après c'est sûr qu'on peut faire des spawners à mobs. Hein. Enfin, des spawners, des fermes à mobs. Je sais pas si j'en ferai une, moi j'en sais rien, mais bref.
Enfin voilà, il y a plusieurs manières d'utiliser les PNJ, hein. Je l'ai utilisé de cette manière. Bon alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors attendez, je prends mon papier avec moi, parce que j'ai noté des coordonnées. Yep. Ok, nickel. Maintenant qu'on a fait ça, il nous reste... Bon, on est à 20 minutes, je pourrais arrêter l'épisode maintenant, mais j'ai envie de vous faire plaisir. Et ma pioche en diamant est bientôt craquée. Je vais ranger tout mon bazar. Je vais prendre quelques affaires avec moi et vous allez comprendre. Enfin, j'espère pour vous. Là, j'ai pas remis les cadres d'ailleurs. Il faudra que j'y pense à les remettre. On va ranger la terre là-dedans. Oh, d'ailleurs, ils font du bruit les zombies. Je les ai peut-être pas bien mis ici, hein. De toute façon, il faudra que je trouve un système pour les tuer plus tard. Les sauts. On va les rendre... Oh, l'Enderman là. On va prendre de l'obsidienne. Oh. On va prendre un briquet. Oh. Mais qu'est-ce qu'il fait? Hop. Ouais, il me semble que c'est bon. Hein. Juste les cadres, on va les ranger pour le moment. Voilà, et au niveau des torches, je crois. Oui, j'en avais refait pas mal la dernière fois. Ouais, pas mal, pas mal. J'en ai plus beaucoup. Ouais, vous l'avez peut-être compris, on va faire un portail du Nether. Mais où est-ce qu'on va le faire, ce portail du Nether? Au niveau de mes coordonnées, je suis à 1588, 936. Et nous allons nous rendre à moins 787. Donc il y a de la marche. À moins 1925, donc à plus de 1000 blocs du Z et à presque 1000 blocs, non, à plus de 1000 blocs du X. Donc du coup, je vais vous mettre ça en accéléré comme j'ai fait pour le biome Mesa et vous verrez bien où est-ce qu'on va aller. Voilà, ce sera la surprise. Et ce sera la surprise totale puisque je ne vais pas mettre cette image-là dans la miniature puisque dans le prochain épisode, nous allons battre l'Under Dragon. Je l'ai décidé. Je prends un bateau au cas où je passe par la mer. Hein. Alors, on va sortir dehors. Donc, il faut que j'aille en moins 787. Donc, je suis dans la bonne direction. Et dans les Z, ce sera moins 1000. Voilà. Donc, c'est par là-bas. Du coup, je vous mets ça en accéléré avec de superbes musiques de Wix et Wax. Il y en aura sûrement peut-être deux, je ne sais pas, parce que le chemin risque d'être long. Profitez-en pour vous abonner à sa chaîne si vous en avez envie, si vous aimez ses musiques. En tout cas, si vous aimez ses musiques, je vous invite à les partager. Ça fait toujours plaisir. Et comme il dit bien souvent, ça mange pas de pain. Donc voilà. Oh, des jolis blocs d'air dans l'eau. C'est magnifique. Magnifique. Bref, à tout de suite dans un nouveau biome. Bon, je m'arrête 30 secondes pour vous dire que là nous sommes dans le biome savane, c'est pas du tout le biome dans lequel j'ai envie d'aller. Mais il y a un petit souci au niveau des couleurs de mon pack de texture, enfin de mon ressource pack. Il se trouve qu'avec mon ressource pack, oula, de mon ressource pack ne prend pas en compte les nouvelles couleurs des biomes, donc c'est dommage. Mais le pack par défaut, bah évidemment, ça les change, et il y a d'autres packs qui font changer ça, hein, donc. Ne vous inquiétez pas si c'est vert. Normalement, c'est pas vert. Hein. C'est censé être jaunâtre, hein, désertique, asséché, parce qu'on est dans la savane. Voilà. Allez, on continue d'avancer vers le nouveau biome.
Et voilà, nous sommes arrivés sur l'île Champignon. Rien à foutre du bateau. Voilà. Et ça, ça fait plaisir. Alors, est-ce qu'il y a des champignons? Oui, il y en a. Yes, ça fait plaisir. Et voilà, l'île Champignon avec les sympathiques champignons. Donc voilà, c'est pas tellement un nouveau biome, donc peut-être que je vous ai fait croire à quelque chose, je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, c'était un biome que je voulais trouver, parce que dans les défis que vous m'avez donné, il y avait faire un élevage de champignons chez moi. Donc du coup, bah là, je vais pouvoir le faire tranquillement. Hein. Et nous allons faire le portail tout de suite. Tac, tac. Je le fais ici, à l'arrache. Tac. Ouais, bien. Ah, j'aurais peut-être dû prendre ma... m'appelle avec Silk Touch. Tant pis. Mais qu'est-ce que je fais? Eh mais... fous-toi à la flotte avant de mourir. Ah putain. C'est n'importe quoi. J'ai jamais vu un Gus jouer à Minecraft comme ça. Ouais, voilà. Le briquet, c'était pour ça, monsieur. Voilà. On va faire un tour vite fait dans le Nether. Et on se quittera sur cette magnifique île champignon. Ce qui fait que maintenant, avec ce portail du Nether, je vais devoir le raccorder avec mon autre, avec mes autres portails dans le Nether, en gros. Hein. Du moins, faire un autre chemin qui part de chez moi vers... voilà, vers ici. Et un chemin de chez moi vers les autres portails. Ok, alors est-ce qu'il y a une forteresse pas loin? Au niveau des chargements, je vois pas grand chose. Bon, quoi qu'il en soit, on retourne à l'intérieur, on se retrouve dans l'île Champignon. Ce qui est pas mal d'avoir plusieurs portails comme ça, assez éloignés, je veux dire, c'est que pour récupérer du quartz, bah c'est le top, hein, parce que... et puis même pour trouver quelques donjons, forteresses, excusez-moi, tout simplement, bah, on peut trouver beaucoup de ressources hein, dans le Nether. Et avec plusieurs portails un petit peu partout, et bien c'est pile poil ce qu'il me faut. Voilà. Bah écoutez les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu. Il est un épisode pour préserver les PNJ des zombies. Et d'ailleurs je peux faire le portail comme ça, j'ai de l'obsidienne à fond. Et la petite découverte de l'île Champignon. Alors comment j'ai trouvé l'île Champignon? Comment j'avais les coordonnées avant de l'île Champignon? Et bien j'ai utilisé le même logiciel que pour trouver le biome Mesa. J'ai pas le nom en tête, mais quoi qu'il en soit, vous avez le lien dans la description. Je vais faire un copier-coller du... oh, mais tu fais du bruit, je suis en train de parler. Et je vais faire un copier-coller de la description de l'épisode où j'ai trouvé le biome Mesa, comme ça vous allez avoir le logiciel. Quoi qu'il en soit, le logiciel se met régulièrement à jour, parce que à chaque nouvelle snapshot qui sort, bah, il se met à jour, hein, le logiciel. Donc voilà. Bref, encore une fois, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous dimanche pour la bataille finale contre l'Under Dragon. Mais rassurez-vous, ce ne sera pas le dernier épisode, évidemment. Mais j'ai besoin d'aller terrasser l'Under Dragon assez rapidement pour me faire une ferme à Enderman, qui va me servir plus tard pour avoir de l'XP assez rapidement. Et évidemment, récupérer des perles. Allez, ciao tout le monde!